Les institutions françaises sont-elles parfois assez présentes à l'Europe pour savoir ce qu'il s'y fait, ce qu'il s'y dit, ou pour peser sur les décisions? C'est pas un manque d'information, c'est un manque de capacité de peser dans la politique. La politique, c'est du bon sens, et quand il y a trop d'idéologies qui rentrent dedans, le bon sens est maltraité. Le dialogue social, c'est pas de faire passer ma ligne, mais c'est un compromis à la fin. Sinon, c'est pas un dialogue. Montrez-moi une image d'une négociation sociale en France où patronat et syndicats sortent le bras dans le bras et disent « on a fait du bon boulot, on a trouvé une solution, on est tous d'accord ». Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'au niveau européen, vous avez une tradition social-démocrate, si vous voulez, vraiment de coopération, de co-gestion, et d'autres pays qui ne l'entendent pas, qui ont quand même encore une idée de lutte de classe. Et c'est ça qui est difficile, disons, de coordonner au niveau européen. Est-ce que ce n'est pas avant tout un problème de posture, d'abord, avant de penser à l'intérêt général? Tout le problème, c'est de savoir comment vous définissez, quel est l'intérêt général en ce moment. L'intérêt général, est-ce que c'est l'intérêt où vous partez simplement de la vision des ouvriers ou des salariés, ou est-ce que l'intérêt général, c'est justement un compromis entre le capital et la force de travail pour arriver à avancer? Et je crois qu'aujourd'hui, dans la posture, il y a une réduction de la vision. Est-ce qu'on doit plus s'intéresser finalement aux problématiques locales et ne pas être dans une remontée de terrain des réalités, des spécificités de chaque terrain? Il faut faire attention simplement. Toute la vérité n'est pas dans le local. Si vous voulez le Lyon-Turin, vous ne pouvez pas le définir simplement et l'avoir localement. Vous n'y arriverez pas. Qu'il y ait un bénéfice pour la région, il faut que le maillage local, le maillage industriel local participe à cette construction, sinon c'est complètement du bidon. Donc le problème, c'est pas le Lyon-Turin, c'est quelle est la politique de transport qu'il y a autour qui est en question. Parce qu'il y a une logique du Lyon-Turin qui amène à une autre logique de ferroutage dont nous avons besoin aujourd'hui. Si vous aviez un conseil à donner à ce syndicat, à cette fédération du bâtiment et des travaux publics de Savoie, ça serait lequel? Peser plus au national, soit les plus présents dans des décisions européennes? Il doit être capable, justement, aujourd'hui, de définir, disons, ses espaces d'intervention. Pour défendre aujourd'hui la région et les investissements qui sont nécessaires ou possibles, hein, vous avez besoin d'une antenne au niveau national, c'est-à-dire comment les appels d'or, et vous avez besoin d'une intervention en Europe. Oui, parler au niveau national, parler au niveau de l'Europe pour que finalement ce qui se passe au local fasse sens et dans le sens de l'intérêt général. J'aimerais qu'on remercie très sincèrement Daniel Cohn-Bendit d'être venu ce matin pour cette Assemblée Générale. Merci de votre présence, merci de votre analyse sur l'Europe. Merci beaucoup. Merci.